Qu'est-ce que tu manges là? Hein? Qu'est-ce que tu manges là? Quand les racines, j'ai mal au ventre. Les quelles racines? Et les amis? Tu n'as pas honte, Dudoua. Tous les jours ici, oh, Marie-Claude a fait ceci. Oh, ma chère, elle a fait cela. Oh, c'est ça, elle a fait. Tu n'as pas honte de toi. Toutes les nuits, tu me tournais le dos. Tu n'as pas honte. La dernière fois, je t'ai dit qu'on va me mettre, on va m'inscrire à la maternelle. Tu n'as pas honte que tu es impuissant. Quoi? Et je suis la dernière. Quoi? Tu es au courant. Moi? Hé! Hé, Koula, l'on est là, tu es impuissant. Et tu manges à quoi? Mais dis, j'ai les amis. C'est ça qui m'a. J'ai les amis. Depuis quand? J'ai les amis. Depuis quand tu as les amis? J'ai les amis. Ah, et de toi, j'ai dit que. Mère de Dieu. Mais de toi. Mais je que tu vas faire quoi? Zakoula. À haut niveau, même nous sommes déjà là. Tu, donc tu parles même encore. Zakoula. Pardon, Fouloka, et tout doigt. Maman, ça. Ma, je dis. Toi! Toi! Je vais te poignarder. Hein. Qui? Poignarde. C'est tout ce qui te reste. Tu crois que quand tu vas manger les racines là, c'est là où ça va s'élever? Tu peux me laisser. C'est mort! Je m'en loue, laisse-moi. C'est mort! Laisse mon oreille. Tu crois que quand tu as le couteau, j'ai peur de ton couteau. Tu crois que ton couteau me fait quoi? Ton couteau ne me fait rien, tu dois, tu as compris. Hein? Mais, c'est tout ce qui te restait. C'est tout ce qui te reste maintenant. Avec ta sorcellerie. Ça, moi, je vais tout voir. Donc, Edoua, tu es impuissant, tu ne me dis pas. Et tu crois que je vais rester chez toi? Je vais commencer comment? Je vais commencer comment? Regarde-moi quand je te parle, tu dois me regarder. Je crée. Tu n'as pas honte. Non, d'accord, si tu cherches autre chose. Le quoi, mais Mathieu? Tu cherches autre chose? Que tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, Edoua? T'as parlé, tu parles. Tu vas faire quoi? Mon ami, c'est. Si on t'a mangé, si on t'a mangé la sorcellerie, on veut que c'est moi qui te tue. Quelle sorcellerie? Je te tue pas. C'est quelle sorcellerie? Voilà donc ce que tu cherches derrière les femmes des gens. Ça, ça se tourne, ça te tourne, ça se Qu'est-ce qui ne va pas ici? Ma fille, c'est pour la moi, je pars d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, non, 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 qu'est-ce qui ne va pas? Elle doit être impuissant. Voilà ce qui ne va pas. Qui? Ce n'est pas la, n'est-ce pas, c'est moi qui t'ai fait, quand tu as pris la première communion, je t'ai fait la doctrine. Ouais. La parole de Dieu dit, terminé. Quand vous êtes en couple, mari et femme, quand il y a un problème, vous trouvez une solution à deux. Qui? Vous restez à deux, vous trouvez une solution. C'est qu'elle la solution n'est pas de partir. La, c'est qu'elle dit, comme la impuissance, toujours la main, c'est-à-dire, vous voyez, tu m'étouffes. Fous-moi le camp. C'est pas t'étouffer qui t'a rendu comme ça. Elle est comme maintenant que je suis impuissant. Tu es impuissant, tout le village en parle. Je continue à te dire, ma fille, tu as accepté pour le meilleur et pour le pire. Le sais de pire, si même s'il y a un problème. Ça ne partient pas. Même s'il y a un problème, restez à deux. Vous devez trouver une solution. La solution n'est pas de partir. Je vais trouver mieux ailleurs. La solution n'est pas de partir. Calme-toi. Maman, je dis à Yaoundé. Calme-toi. Non, maman, je ne refuse pas, tu as compris. Je suis partie chez mes parents pour venir à mariage, n'est-ce pas? Oui. Mais comment est-ce que je vais donc rester avec un homme que mon corps me démange déjà aussi? Il y a une solution à toute chose. Il y a une solution à toute chose. Il faut que ces choses en rentrent là. Non, attends d'abord la maman. Avant que mon sac n'entre, il faut que Dudoua te dise s'il va trouver une solution. Si je rentre là, c'est que. Je peux encore donner une semaine à Edoua. Si ça ne va pas, je m'en vais. La mère, on trouve des solutions à un certain. On trouve une solution à un problème. Sans problème, je trouve une solution. Hein? Mais comment nous connaissons? Je dis que tu es malade. Je voulais aussi te donner un conseil. Si. D'aller voir le monsieur qui t'a fait ça. D'aller voir ton beau, le beau. Celui à qui tu as pris sa femme là. Donc, toi aussi, tu es au courant. Hein? Je suis au courant. Yeah! Tout le village parle. Va le voir, tu lui demandes pardon. La seule malheureuse était moi, je ne connaissais pas. Il ne fait que me dire ici comment je suis en train de lui remplir le ventre avec le haricot. Oh ouais. Comment je suis en train de lui. Je dis que depuis 6 mois, maman, même pas nique comme ça où tu me vois là. Ouais. C'est quoi? Même panique! Calme-toi. Ça, je ne savais pas que c'était à le jouet. Calme-toi. Pour le Cameroun, va organiser les Jeux Olympiques, ça sera avec toi, avec ta discipline. Calme-toi. Et tu dois voir ce monsieur. Mbouda, tu lui demandes pardon de ce que tu as fait. Hein? De ce que tu lui as fait. Tu as couché avec sa femme. La mère, donc, comme tu es informé depuis, on se salue. C'est tout le village qui parle. Est-ce que c'est quelque chose qui est caché? Moi, je veux seulement que nous trouvions une solution. Tu vas, tu lui demandes pardon parce que tu lui as fait du mal. C'est grave ça. Tu vas coucher avec la femme de Truy. Merde. Ce n'est pas une bonne chose. Ok. Ça va? Calme-toi aussi. Ça? Je me calme, mais il a une semaine. Si ça ne s'arrange pas, je pars. Hey.
Ah, je connais une fille qui est partie comme ça. Son mari n'est pas allé la chercher, elle est revenue elle-même. Qui? Je connais une fille comme ça. Avec un truc qui ne se lève plus.